Break news. Je viens vous informer ici que PayPal a lancé son stablecoin qu'on appelle le PX, non, PYUSD, voilà, PYUSD sur la blockchain Ethereum. Donc, nous l'apprenons à l'instant. Je vais d'abord sortir d'ici là. Je vais partager cette information avec vous. Break news. Nous l'apprenons à l'instant. Le mastodonte des paiements en ligne PayPal, voilà, se lance dans l'écosystème des crypto-monnaies, en l'occurrence des stablecoins, en créant son propre PayPal USD avec le sigle PYUSD adossé au dollar, adossé au dollar. Ça veut dire qu'elle aura la parité avec le dollar. Voilà, pour cette initiative, PayPal s'est associé avec Parsox, voilà, émetteur de stablecoin dans le collimateur du régulateur américain en raison des liens avec le BUSD de Binance. Voilà, le stablecoin de PayPal a pour objectif de renforcer l'écosystème des cryptos, voilà, en tirant parti des avantages des stablecoins. Voilà, très prochainement, les clients américains de PayPal pourront donc transférer leur stablecoin PayPal vers des portefeuilles compatibles, effectuer des achats en stablecoin PayPal, convertir les crypto-monnaies prises en échange par PayPal, dont BTC et Ethereum, BTC Cash et Litecoin. Voilà. Notons que ce token devrait être lancé en coopération avec FTX. Voilà, sur Solana en devrait. Donc, c'est un ancien projet qui devait être lancé sur Solana en 2022. Mais suite au scandale, à la faillite, donc a suivi FTX. Voilà, les choses se sont passées autrement. Voilà, l'histoire que nous connaissons a eu en raison du projet qui a mis en veille son projet de stablecoin. Voilà, donc ce ne sont d'ailleurs pas les premiers essais de PayPal avec la crypto-monnaie. Voilà, loin de là, affaire à suivre. Donc, ça vient du journal du coin. Voilà, donc les gars, c'était une information que je venais comme ça partager avec vous. C'est une très très bonne nouvelle. Donc, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est très très important.